Alors, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, vous nous captez de partout à travers le monde sur Équilibre Télévision. Jérémy Luemba, les Renards du Désert. Et devant vous, en tout cas, un grand merci à toute la communauté. Vous nous captez. Et nous sommes là, nous sommes venus vous présenter ces grands centres d'hébergement et d'encadrement qu'on appelle Jésus et mon papa. Ils allaient orphelinés à Kinshasa. Mais désormais, s'implanter encore une fois à Goma. Vous le savez très bien que Goma est dans la partie est RDC, la partie la plus touchée, na guerre, na génocide, na tuerie, là où il y a beaucoup plus des enfants délaissés, abandonnés, des veuves orphelins. Alors l'initiateur, il y a centre d'hébergement et d'encadrement orphelinat Jésus mon papa, le prophète Israël Nash. Il a aussi songé na bandeko bazana au niveau ya est pour na ko récupérer bana. Vous le remarquez très souvent bandeko ming ba outa Kinshasa, Poto, un peu partout sur baké na Goma, ba ya kaka na ba zone oyo ba tie bana, na ba zone ba réfugié wana, ba salidon, ba lambi biloko ba kaboli et après et c'est fini ba zongi. Alors bana wana balala ming na ba condition malamouté. Balala na sia ba bash na ba kapo. Donc, il y a place au hébergement. Alors, le prophète Israël Nash a songé dans le monde est. Il y a déjà, comme vous le remarquez, comme vous le voyez déjà dans la vidéo, le siège est déjà là. Il y a une garantie, mettre en dans la condition qu'il faut. Mais le siège est là, il y a un meuble. C'est-à-dire quoi? Ndako ezali pona ko héberger bana mais ba matela ezate ba kiti même ya plastique pour bana balia ezalite ba table ezate télévision pona divertissement ya bana ezalite donc bandeko balancer juste cri d'alarme SOS na bandeko nyoso botala kabiso si vous pouvez contribuer assister soutenir ces enfants délaissés abandonnés ba victimes ya ba guerre. Il y a d'autres enfants que vous voyez là, papa koufa na balle perdu, maman koufa na balle perdu, babo maman maman ba viola maman do bana batikala. Alors endroit où ezali malamu pona ko bokola bana oyo ezali yango yo bandeko bazui pona ko soutenir mboka na biso ko soutenir bana jeunesse nde ndako yango bazui déjà mais to soutenir bandeko na quelque chose bakiti nde dans le bi basani ya rolela ezali te. Ma papa bana rolata par exemple ba drapo na rolala ba matela ikota na ba chambre pour que bana balala enfin na ba condition o ezali reni ba condition malamu bana o bazu tozali komona bazana droit ville ko la biso ba bota maki na Goma ba ponaki ko bota na Goma te na partie Bitumba ote mais ali destin. Alors to soutenir bango to linga bango to porter bango à cœur, je pense que ça serait la meilleure des choses. Alors, vous qui nous suivez, voilà ici qu'à Kolona Yango. Les sièges de l'orphelinat existent déjà. Tout est OK. La maison est là. Mais ton meublé Ndendaku, comme je l'ai dit, donc, Mbetu, Kiti, chaise en plastique, fauteuil, drap Bana et consort, pour que Bana va vivre enfin dans ma condition Oyo Yamalamu. Alors, vous nous regardez les numéros. Pour beaucoup plus de communication, les détails sont affichés au bas de vos écrans. Au Bengi, le personnel est à Orphelina. Au Bengi, même Bisso, tout orienté pour que l'aide soit comme la destination. Alors, quant à moi, je vous remercie. Je pense que le message est très bien lancé. Alors, abonnez-vous, commentez et puis partagez pour nous faire du bien. Merci encore une fois à tout le monde. Shalom, nos bien-aimés. Merci beaucoup. Ici, nous sommes dans le centre d'hébergement et d'accueil Jésus et mon papa. Un centre qui bientôt va ouvrir ses portes pour accueillir des enfants en guerre, des enfants qui ont perdu des parents, des enfants orphelins. Vous savez, le Nord Kivu, votre province, passe des moments difficiles, ce qui fait en sorte que dans la ville de Goma, il y a plusieurs enfants déplacés qui ont perdu leurs parents. Cet endroit, c'est une maison
que nous louons par la bienfaisance, le bon cœur de l'homme de Dieu, Pasteur Nash à Kinshasa. Et là, il a à cœur de vouloir aider la population meurtrière de Goma, beaucoup plus les enfants dont ils ont perdu leurs parents dans cette guerre interminable que notre pays RDC est en train de traverser. Il a eu cette bonne volonté de nous trouver cet endroit, mais seulement, comme vous le voyez, la maison est quasiment vide, il n'y a rien. Je peux vous montrer, ici nous sommes dans le salon, et il n'y a rien. Donc, on a déjà acquis la maison, non? Vous voyez, le salon est vide, on a besoin quand même de chaises en plastique, des tables pouvant servir nos enfants à manger. Donc, comme ils peuvent avoir aussi besoin de se divertir, même un petit poste de télévision, ça fera vraiment du bien. Donc, la maison est quasiment vide. Alors, ici, comme vous le voyez, nous aurons besoin également, nous sommes à la cuisine. La cuisine est là, mais vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de casserole, il n'y a pas même des brasseries, comme vous le voyez, même réchaud à gaz. On aura besoin des assiettes, des ustensiles, de grosses casseroles qui pourront servir à préparer pour nos enfants. Comme vous le savez aussi, ici nous avons deux chambres. Ici c'est la chambre numéro 1. Une chambre qui va égorger nos enfants, garçons, parce qu'on va les séparer des garçons et des filles. Ça va égorger les enfants, c'est vite. Il n'y a pas de lit. Or, on aura besoin des lits, c'est-à-dire des cadres et des matelas. On aura besoin de mousse, on aura besoin de couvertures, des draps. Donc, la chambre vide, ça c'est une chambre pour les garçons. Et nous avons également ici... une chambre pour les filles, hein. Elle est également quasiment vide, donc il n'y a rien. Mais également, nous avons la douche pour nos enfants. Donc le souci est qu'ils puissent au moins être dans de très bonnes conditions pour la gloire de notre Dieu. Donc voilà un peu. Nous avons aussi une autre chambre ici. Nous devons héberger nos enfants, mais la chambre aussi, elle est quasiment vide. Donc, on a besoin de vos soutiens pour essayer combien d'aider ces enfants. Merci, tata. Mariage, Bandeko Balingami, Mbote Nabino. Bino baeba subuzula ndabiso na Kinshasa pe na mokili mobimba bande kwa diaspora matundu. Biso tozali centre d'accueil et d'hébergement Jésus et mon papa. Moi pezo kambama na mosel nzambe pasteur Ange Israël. Azwa ki passe na mutema komona maema suzo salema awa na mboka na biso ya Goma uta bitumbe bandaki ba déplacement massif ya ba population bana bazuti kala ba orphelin. À cause de la guerre, alors ayokaki mawana alobaki ndenge nini nayi kosunga nalobaki na makoki ozalaki nango azweli biso esika oyo wapi tokovandi sabana bavanda pe na esika ya malamu. Papa Nash, merci na papa mbula yo yango ye makoki ezali sute mpona kokoba tala ndenge nini akoprendre en charge bana oyo baza ebele awa bokomona bango baza na bacamp tokorecupere bango bakozala awa yango toye liboso na bino bapapa na biso bamama na biso bandeko na biso basi pe ya mibali bino bato ya motema malamu bino ba oyo malgré bapasi bozotraverse badifficulté me bozangaka te kosala quelque chose mpona kosoutenir bana oyo batikali ba orphelin yango toye liboso na bino kosenga bino lisungi mpo ete ekoka kosunga biso ya kozwa mwa esaleli ya mike mike le besoin de première nécessité. Toza na besoin ya bakiti ya plastique omoni salo eza vide mwa bamesa ya mabaya bien oyo bana bayoki kolela mwa télévision moke oyo bana mpe bakozala mwa divertissement mwa tableau oyo bana mpe koyekola parce que
un centre aussi d'apprentissage, d'encadrement. Donc, on a vu ce qu'on a dans la chambre, presque ils sont vides. Et là, ils ont besoin de mettre tout, de mousse, de matelas, de drap, de couverture. Ils ont besoin de nzungu, de sani, de copo, tout ça. Moi, je suis là, 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 je suis là. Et vraiment, nous avons besoin de votre soutien pour être Nicolas Koya Awa, attendez, ceux qui ont été sous la porte, pour la porte, nous avons besoin de souffrir ma casse. Nous avons besoin de souffrir ma casse. Nous avons Bible de souffrir religion qui est en train de souffrir ma casse. Nous avons besoin de souffrir ma casse. Nous avons besoin de souffrir ma ceux qui veulent contacter Bisso, le numéro de Bisso, c'est pour l'aider, pour vivre au Leka, pour joindre Bisso, pour vous contribuer. Vous avez l'assurance, vous soulignez que vous avez la banane et que vous avez parce que le souci de Bisso, c'est que vous avez la banane et la vie qui est en train de vous faire. Si vous avez la banane, vous avez la banane. Vous avez la banane, vous avez la centre Jésus et mon papa. Matondo. Alors, bande quoi diaspora, même bozana bozana partout à travers le monde, bozana biloko nanda ku peut-être ici ka kuti ango ezalite, tu peux l'envoyer ici à Kinshasa. Ce que comme les bisous na Kinshasa, on va s'organiser pour que koma na goma. Même yozana biloko awa na Kinshasa, ko hésiter te au bengi biso to roya to zu biloko, to même ngoti na destination kuna na goma pour que bana ba vivre dans ba conditions ezali malamu. Donc ko bosana te, bozana biloko awa, tapis ba fructèse, ba assiette, ba plateau, ozana bilamba, ba jaquette malili, ba drap, ba matela et consort oyo kusunga bana pour que ba vivre nango, ba liaka, ba vivre en paix. Je pense que ezali bienvenu. Obengi biso tokozwa biloko nisi kezali et puis tokotinda yango na goma kuna esika ba dirigeant ya orphelinat bazali et kokomela bana, je pense que ozala pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, n'hésitez pas, et si ka malamu ya kolona yangoyo, et si ka malamu ya kosoutenir pour que kola pambo lo lobby yangoyo. Donc balona kana mabelo eza fertile parce que un jour ekobota mbuma pe oko profiter nango. En tout cas, je vous remercie de partout vous nous regardez. Nzambe alola apambo la bino. Bato tout ba repenser na bano bazana goma. Nzambe ako si kate ko pambo la bino a robasa sous moi belé na vie na bino. Merci Mingi. Quant à moi, je vous remercie. On se voit très prochainement sur la même chaîne et surtout avec le même plaisir. Bye. Mbote bandé ko zanga maman Mika mosungi ya population. Nya eli bino promotion ya réduction ya 30% na ba produit na biso nyonso tout naturel pe cosmétique. Oui. Ya traitement naturel pe cosmétique. On a problème de santé, nous avons un problème de hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi mboudi, bandeko boya ba solution ezali, ba kisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix na 30%. Côté cosmétique, tous les produits sont tels que Thémétis, Thémétis, crème de beauté Mika, ma foute à Coca-Cola, savon à biso gommant, ou ils ont traité. Ils ont contre ma tache, ma acné, ma bouton, ma vergeture. Tous les savon noir à biso, ou ils ont traité, ils ont à l'aise na douche, ils ont protégé contre moi, ils ont très efficace. Tous les crème de visage na biso, ils ont embelli et ils ont rendu longue lisse très propre, très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution à ngoyo pour la peau sèche, surtout, solution ezali. Tozali na lotion tonique pour la bata tampon, tozali na lotion tonique pour la bata au bazan na tampon, teme peau eza abîmé. Tozali na gommage fait à base de café, ezo rendre longi propre, ezo longo la ba bouton, nyon soto ezo kende na ba graisse. Tozali na pommade à souki, pe huile ya souki, ezali très efficace. On a problème à libandi, souki kola ka obiante, ba produit ya ngoyo est très naturel, ezo bongisa ba souki. Très naturel, kama ndenge mama lobi. Pommade anti-solamapeta, ndeko yo zali na problème,
solo au dégageaka ou transpiraka mingi solution yango eye pommade anti sola mapeka bobo sanate toza na promotion réduction à 30% na ba produit na biso nyonso côté wana to buki na biso côté toza ba kisi na biso pe ya poussière ya bokoko ndeko siko zali za musika ba produit ma ezo ya te ba kisi ya poussière yango yo okomela na ka ya maladi nyonso tu o mama mikatanga ki awa okozwa solution na yo benga biso na plus 243 89 98 27 674 adresse na biso toza na commune Kalamu quartier Matongé avenue Pose numéro A17 pona stérilité bande konanga baso zokoka ko concevoir te solution yango yo eye papa ozokoka ko pesa zemité bakisi yango eye eza très efficace boya ebele bokozala décité to buki ba pri ngai 7e naza awa ngai 7e baga naza awa Bye.